flash spécial en direct sur Radio Val d'Isère, en direct sur le 96.1 et en exclusivité. Kelly Starlight, l'incontournable directeur artistique de La Folie Douce, vient nous présenter l'événement de la saison, peut-être même l'événement de la décennie, l'événement du millénaire. Et tout ça en 29 février, c'est plutôt incroyable. Comment vas-tu, Kelly ? Ça va très très bien, encore... Bien chaud, il y a 30 minutes de fin de Folie Douce, incroyable aujourd'hui, incroyable. Très très belle journée, encore ouais, une belle journée demain, puis vraiment. Alors une journée demain, absolument incroyable, ouais. La nouveauté, le grand lancement, grand jour demain, allez dis-nous tout. Eh bien, on est grave sur les starting blocks, demain c'est le grand lancement de notre cabaret dont je te parle. Depuis plus d'une semaine, plus de 10 jours. Ça y est, demain c'est la première, symboliquement le 1er mars, pour avoir un début de quelque chose, pour les deux derniers mois de la saison, jusqu'à la clôture. Tous les jours, on va avoir nos artistes et ces artistes de cabaret qui sont ici depuis 10 jours à Val d'Isère pour s'acclimater un peu comme des sportifs. Et puis pour préparer tout sur la grande scène que l'on a créée cette année. Alors l'équipe de Téléval était ce matin à La Folie Douce. Exactement. Le dernier filage, on va voir tout ça en images. Donne-nous quand même quelques petites bribes. Raconte-nous un peu l'histoire de ce cabaret. Ce cabaret, en fait, le but était de fédérer et de donner envie aux gens de commencer l'après-midi avec nous en déjeunant, puisque ce cabaret va commencer pour la période du deuxième service à la fruitière. Nous avons une grande scène sur 360 degrés, sans aucun fond de scène, sans rien du tout. Donc les artistes sont à nu devant vous, futurs spectateurs. Et ils vont performer tous les jours entre 45 et 50 minutes sous le soleil, devant les montagnes, avec tout dépend de quel point de vue et où est-ce que vous serez, avec la montagne en fond, la grande montagne en fond, et puis ou la Folie Douce en fond si vous êtes sur la fruitière. L'histoire... on vous emmène du béaba du cabaret avec quelques scènes, un tableau sur le cabaret proprement dit, jusqu'aux années 80, jusqu'aux années disco, avec des choses un peu plus romantiques, tout ça c'est un peu en décousu, avec des choses un peu plus romantiques et tango-iesque, avec un fado, avec du tango. Tout ça, c'est extrêmement dansé, parce que les performeurs que l'on a pour le cabaret sont des danseurs. Et puis au milieu de tout ça, il y a mes artistes à moi que j'ai sur toute la saison, dont on a travaillé en commun entre les danseurs et les artistes performeurs de La Folie Douce, pour vous créer un spectacle qui aille du cabaret au tango aux années 80, à la dance et à notre dance party à 15h30 de La Folie Douce. Voilà, donc La Folie Douce cette année, une vraie folie. Vraiment. Douce. Ouais. Ça commence demain. Ouais, on est très excités, on vous attend tous, on attend tout le monde. Soyez nombreux, nous on y sera, hein, Téléval d'Isère, ce avec sera plaisir. Bien évidemment. En image, mais allez le découvrir. En plus, demain, il va faire beau. Vraiment. Alors, on ne dit jamais bonne chance, non. Puisque ça porte malheur. Donc, absolument. Je ne te le dirai pas. On est censé dire un autre mot que je ne suis pas censé dire en radio. Donc, je ne te le dirai pas non plus. Je l'ai entendu, c'est bon, j'entends. Mais voilà, super. Demain, le cabaret Folie Douce. Et vous l'avez su avant tout. Absolument. Sur Radio Val d'Isère. Merci, Kelly. Merci, Mathilde. Et merci à Radio Val d'Isère pour votre soutien. Merci à tous. À demain.